Bonjour à toutes et à tous. En cette nouvelle année, une fois n'est pas coutume, j'ai souhaité m'adresser directement à vous par cette petite vidéo pour vous présenter les vœux. Je vous souhaite donc à tous mes vœux les plus sincères de bonheur et de réussite accompagnés d'une santé au top. L'année 2020 était très difficile pour notre pays, à la fois sur les plans sanitaires, social et économique, mais dans cette folle tourmente, nos industries ont malgré tout montré leur solidité. Certains d'entre nous ont pu quelquefois plier, parfois durement, mais sans jamais rompre, et surtout sans jamais rompre nos engagements à servir nos clients. Ainsi, les entreprises adhérentes des 5 syndicats affiliés à la FIPEC ont assuré au mieux l'approvisionnement de leur marché. Si toutes ces filières, si toutes ces entreprises ont pu tenir, c'est grâce à la qualité, la détermination et la mobilisation de leurs dirigeants, mais aussi de leurs équipes et de leur personnel. N'oublions pas non plus nos gouvernants qui, par les mesures de soutien au chômage partiel, par le report de charges sociales et par les PGE, ont grandement soutenu nos entreprises et les ont aidés à faire front en cette période exceptionnelle et inédite. Tous ensemble, je parle de plus de 16 000 femmes et hommes, nous avons démontré en 2020 une expérience industrielle incontestable et un esprit de cohésion qui a fait notre force. Malgré la crise, avec l'appui inconditionnel de la FIPEC et de ses syndicats, nos professions ont pu rayonner et continuer à apporter un savoir-faire reconnu de tous. Les travaux en cours pour faciliter le recyclage de nos produits, développer le biosourcé ou encore trouver des solutions de substitution à certaines substances chimiques occupent activement nos meilleurs éléments dans un contexte pourtant économiquement très tendu. Ces efforts, ces orientations, ces projets vont se poursuivre en 2021, même si en ce début d'année, beaucoup d'interrogations, voire de craintes dans la gestion de la pandémie demeurent. Cela dit, je veux croire que d'ici le printemps, grâce en particulier à l'arrivée des vaccins, nous finirons par tordre le cou à ce virus, afin de reprendre le cours normal des affaires, de nos vies et envisager l'avenir avec confiance. L'année 2021 sera pour nos professions l'occasion d'aborder ensemble de sujets stratégiques. Ce sera le cas à l'occasion de grands rendez-vous de nos professions comme la journée FIPEC du 17 juin, moment phare et traditionnel de notre fédération. Avant cette date importante du 17 juin, beaucoup de projets, tous très ambitieux, occupent déjà une partie de vos équipes. C'est bien la raison pour laquelle je souhaite vivement que la FIPEC continue à servir de maison commune pour nos professions, qu'elle soit toujours un lieu d'échange avec vos experts et les permanents qui partagent une grande implication. Encore bonne année à tous et un immense merci pour votre soutien et votre confiance.